C'est un projet qui commence à s'éterniser et certains fans perdent espoir de revoir le Batman au cinéma. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les informations que l'on a actuellement sur le film The Batman. Le film est maintenant entre les mains de Matt Reeves, qui est le remplaçant de Ben Affleck à l'écriture du script et à la réalisation. Nous pensions voir un certain Deathstroke dans la version de Affleck, mais il semblerait que Reeves n'approuve pas cette idée. Maintenant, je vais peut-être en rassurer certains en disant que Ben Affleck est toujours prévu au casting de ce film. Une rumeur disait qu'un certain Jake Gyllenhaal devait le remplacer, mais ce dernier a nié la rumeur. Nous pouvons donc espérer voir le film apparaître dans nos salles en 2021 avec au casting Ben Affleck qui jouera Bruce Wayne, Jeremy Irons dans le rôle de Alfred Pennyworth et J.K. Simmons qui a fait ses débuts dans Justice League avec son personnage de James Gordon. Pour ce qui est des méchants, le Joker de Jared Leto ou encore la Harley Quinn de Margot Robbie pourraient bien réapparaître. Mais nous en savons que très peu à ce sujet, du fait que le script n'est pas encore fini. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous attendre à une bande-annonce avant 2019, voire 2020. Nous connaissons au moins le genre du film. Il s'agira d'une histoire de détective pour voir le Chevalier Noir dans toute sa splendeur. Je conclurai avec une théorie, qui sera que ce film soit la fin du Batman de Ben Affleck. Effectivement, nous apprenons dans Batman vs Superman que ce justicier masqué a déjà bien vécu et il serait difficile de faire une origin story d'un tel personnage. Et le Flashpoint pourrait créer des répercussions qui engendreraient la fin de sa carrière. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition, mais avec tous les désagréments que Ben Affleck a eu chez DC Comics, c'est une possibilité à prendre en compte. Voilà, vous êtes maintenant au courant de tout au sujet de ce film très attendu par nombreux d'entre vous. C'était Sacha, salut!